Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que je n'ai pas prié autant que j'aurais dû. Je sais aussi que je n'ai pas suivi autant que j'aurais dû. Mais aujourd'hui, je t'en supplie, j'ai besoin de toi. J'étais tellement en colère contre lui. J'étais tellement en colère contre elle. Seigneur, je le suis encore, mais je ne veux pas que mon mariage soit un échec. Seigneur, pardonne-moi. Je sais bien que tu es le seul juge. Mais mon Dieu, je t'en supplie, ne la laisse pas faire ça. Ne le laisse pas faire ça. Prends les choses en main. Pitié, prends les choses en main. Prends mon cœur. Prends toute cette colère, cette amertume, cette tristesse, cette frustration, ce désespoir. Fais qu'elle puisse m'aimer encore, fais qu'il puisse m'aimer encore et aide-moi à l'aimer aussi. Si ses intentions sont mauvaises, je t'en supplie, ne la laisse pas faire, ne le laisse pas faire. Empêche-la, empêche-le d'aller plus loin. Je te le demande de tout mon cœur. Seigneur, aide-moi, Seigneur, préserve-nous. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, dit Jésus, je suis le bon pasteur, et le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur est fidèle, il vous affirmera et vous gardera du mal. Soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable, il fuira loin de toi. Soumets-toi donc à Dieu, résiste au diable, et il fuira loin de toi. Répétez-le. Soumets-toi à Dieu. « Résiste au diable et il fuira loin de toi. »« Ne minaudez plus, ne pleurez plus, n'allez pas vous confier à vos amis, laissez-les tranquilles, relevez la tête, prenez par contre autorité sur Satan, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui... » qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la Sainte Croix pour nous sauver. Ce n'est que Jésus qui peut nous aider et nous sauver dans cette situation. Alors, proclamez, là, maintenant, j'ignore où tu te caches, Satan, mais je suis certaine que tu as assez profité de ma naïveté, que tu as assez joué de mon esprit. Tout ça, ça ne marche plus. Et dis-toi que c'est fini. C'est fini tout ça. Désormais, c'est Jésus qui règne dans cette maison, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de place ici pour toi, Satan. Prends tes sournoiseries, tes mensonges et tes odieuses accusations et sors d'ici, sors de ma maison, au nom de Jésus, notre Maître. Tu ne prendras pas mon mariage, tu prendras encore moins mon mari, encore moins cette maison. Et si ma maison sera gérée désormais autrement, ce qui signifie que dorénavant, tu restes dehors. Et une dernière chose, j'en ai plus cassé qu que tu me ravisses, ma joie. Ma joie ne vient pas de mes amis, ma joie ne vient pas de mon travail, elle ne vient pas de mon mari non plus. Je sais que ma joie maintenant se trouve en Jésus. Ma joie ne se trouve qu'en Jésus. Et au cas où tu l'aurais oublié, Jésus, il t'a déjà vaincu, alors retourne plutôt en enfer là où est ta place, et laisse ma famille vivre en paix.